Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. Une histoire. On prend parfois des risques quand on désobéit. Au tout début du monde, dans une forêt d'Afrique, vivait la première tribu de babouins. Ce sont des singes, des grands singes qui vivent dans les arbres. Il y avait un mâle en chef, Barnabé, et beaucoup de femelles, mais des chefs aussi. Dandy et José. Il y avait des sous-chefs, Kiki et Maryse, et de nombreux petits babouins. Bruno, Benji, Barbara, Bella, la petite troupe vivait en harmonie. Jusqu'au jour où la mère, Dandy, demanda un service au père, Barnabé. « Barnabé, mon chéri, pourrais-tu aller me chercher une belle mangue dans le manguier ? Tout en haut, sur la petite branche, tu le vois ?» Barnabé regarda à droite, à gauche, et répondit « C'est difficile, la branche est petite et fine, et je suis lourd. Il faudrait plutôt demander à bébé Benji. » Celui-ci fit semblant de ne pas entendre. Puis, à force qu'on lui répète la question, il déclina l'offre. « Non merci, je préfère pas. Je suis bien assis. Ici, assis sur mon derrière, je ne bougerai pas. » « Maman, Dandy dit, mais comment ça, Benji? Si papa te le demande, il faut le faire. » Mais Benji répondit, « Non, merci, maman, je ne bougerai pas. Je suis bien ici, assis sur mon derrière. » Alors le papa, Barnabé, gronda, « Benji, il faut écouter ta mère. » Mais Benji réfléchit et dit, « Non, papa, non, maman, je reste assis ici. Je suis bien, je reste assis sur mon derrière. » Alors maman et papa se fâchèrent. Ils étaient verts de rage. Ils s'exclamèrent « Ben, puisque c'est comme ça, reste sur ton derrière, Benji. Mais quand il sera usé, il deviendra tout rouge et il restera rouge pour toujours. » C'est ainsi que depuis ce jour, les enfants des enfants des enfants de Benji ont quelques poils verts et le derrière rouge. On les appelle les babouins olives. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.